Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu troll, voilà. C'est annoncé, je pense que vous voyez déjà le look, vous dites « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, en fait, j'ai décidé aujourd'hui de tromper les citrons avec les bananes. Voilà, donc c'est pas si des youtubeurs, leur team, c'est la banane. Mais aujourd'hui, voilà, je suis team banane. Et on va marquer tout simplement les citrons. C'est nul. Alors c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, c'est trop bien les citrons, mais c'est vraiment juste pour la vidéo, donc le prenez vraiment pas mal. Le mieux, c'est les bananes d'abord, ok. Alors genre méga agressif quoi. Méga agressivité, mode on, level 10, j'ai envie de mettre des émoticônes du genre... Pas content, Bounise, pas content, Bounise, vénère... diabolique et puis on envoie voilà donc non allez, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui vont penser que je me pirate encore une fois hein, suite à la vidéo de l'expérience sociale. D'ailleurs je vous invite à aller la regarder si c'est pas déjà fait. Et oh bah merci beaucoup Anne Rose pour la salutation, merci, c'est super gentil, je te fais un très très gros bisou, merci beaucoup, c'est super gentil. En plus, l'animation, elle va bien avec la banane, voilà, c'est en accord, voilà, une banane qui fait de la harpe. T'as déjà vu ça, toi? C'est plus les citrons, c'est les bananes. Attends, on va voir un petit peu les messages. Et merci, Anne Rose, merci beaucoup, très gros bisous à toi. Gros bisous, merci, merci. On va aller voir, banane. Banane. J'ai envoyé un autographe. Oh, et plein de cadeaux. On va lui envoyer un petit auto, c'est gentil, merci beaucoup. On va envoyer un autographe. Et banane. Ah, est-ce que vous avez... je t'adore, ton look, c'est plus de citron, c'est les bananes. Bah oui, c'est mieux les bananes. Lol. En vrai, j'adore les bananes. Je dis ça, je rigole, mais en vrai, j'adore les bananes. J'adore les milkshakes à la banane. J'aime les bananes tout court. Tout ce qui est à la banane, j'aime bien. J'aime bien les yaourts à la banane. C'est trop bon, ça sent trop bon en plus une banane. Voilà, c'est dit. Coucou là, il peut vous trouver sa chaîne. Oh merci pour l'autographe. Oh merci pour le cadeau à Dixia. Mon ancien convite. Ah mince. Attends, on va voir. Magnifique. Est-ce que c'est le look? Je pense qu'elle doit parler du look. J'essaie de voir un petit peu les messages actuels. Plus citron, banane. Et merci Daisy du 62 pour la salutation également, merci beaucoup à toi. Il faut savoir que cette vidéo je la tourne en pleine soirée, 19h, il y a plein de monde sur Mister Planet, bah oui parce que forcément depuis que la rentrée a repris, voilà c'est un peu plus calme en journée, mais en soirée c'est de nouveau lag land, voilà c'est le monde du lag. Et merci, merci du coup, gros bisous à toi Daisy, merci pour la salutation, je t'adore, oh c'est trop gentil. Plus citron, banane. Les bananes vaincront. En fait, il n'y a personne qui s'inquiète de se dire que peut-être c'est pas la quinzaine sur le compte, hein, parce que quand même, voilà. Personne ne se pose la question. On s'en bat avec, en fait. Hein, Bon, où est passé la team citron? Ce temps est révolu par la banane sacrée. Ok, désolé, je viens d'inventer là sur le coup. Le temps est revenu par la banane sacrée. Et au fait, je me suis épirachée mon ancien compte de 3 mois moins. T'inquiète, j'envoie une banane tueuse sur le piracheteur. Voilà. Il sera maudit par, la banane tueuse, la banane sacrée tueuse. Le ninja banane, la banane ninja. Voilà, t'inquiète pas, tout ira bien. Il va te rendre ton compte dans très très peu de temps. Tu verras. E15L, 15L, et oh, c'est que quand tu veux que tu réponds à 15L, hein. Bah alors 15L avant c'était les citrons, maintenant c'est les bananes. Hein. Après ça sera quoi les avocats? Ah tiens, bonne idée. Ah tiens, bonne idée. La prochaine fois. Mais je crois pas qu'il y ait de déguisement avocat dans le game, en tout cas, pas que je sache. En termes de nourriture, je crois qu'il y a quoi? Bon, on peut se déguiser en caca, on peut se déguiser en banane, et je crois qu'il y a quoi encore? En quoi? Bah après, il y a les motifs, etc. Mais un vrai costume comme ça, en avocat, ce serait mignon, genre. C'est genre, la tête de l'avocat, c'est le haut de l'avocat, et après, ça fait comme un ballon en bas, en forme d'avocat, avec le petit noyau au milieu, franchement. Ça passerait trop bien, cette idée d'avocat, moi je valide.
Oh, merci pour l'auto. Je sais pas si je peux en refaire un. Je vais essayer de relancer un petit autographe. Oui, et t'es là? Non, je suis pas là. Non. Bah non, je suis pas là. Je t'ai juste répondu, mais sinon, je suis pas là. Ok, faut que je me calme. Faut que j'aille prendre mes médicaments. Ah, je ne suis pas d'accord. Les citrons ont toujours été beaucoup plus bons que les bananes. MDR. Je t'aime trop, 15e. Merci d'avoir accepté sur mon compte. Tess, je t'aime. Oh, c'est trop mignon. C'est trop choupinou. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Quand tu regarderas cette vidéo, tu verras que je t'ai répondu et que tu as raison. Les citrons, ça reste mieux que les bananes, you know. Voilà, parce qu'avec les citrons, on peut spritcher du citron dans les yeux. Ça fait très mal. Par contre, spritcher de la banane dans les yeux, je crois pas que ça fasse très très mal. Bon, ça doit être quand même désagréable, hein. Mais j'étais un citron et tu deviens une banane. Je trahis les citrons. Je suis entrée dans la secte. Dans la secte des bananes. Ouais, parce que c'est une énorme secte. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'adorateurs de la banane. Voilà, il y a... Voilà, ça me plaît énormément. Voilà, j'aime beaucoup cette secte. Non. Non. Oh mon dieu, mais moi je trouve ça trop drôle. Mais en vrai, le look il est pas mal, hein. En soi, juste une petite banane et puis ça y est, hein. Pas besoin de grand chose, hein, pour ce look. Coucou, bonjour, hello. Je suis obligée de m'incliner. Oui, sinon je t'envoie la banane maudite. Et tu seras maudite à jamais. Je croyais que c'était les citrons avant tout, non? Ah bon? Ah, la meuf jusqu'au bout, elle est hargneuse, c'est de ces citrons. Tu te fais pirater. Ah, voilà, la première personne qui se pose la question quand même, hein. Après, attendez, combien de temps? Ça fait 7 minutes que j'ai lancé la vidéo. Et c'est seulement au bout de 7 minutes que quelqu'un se pose la question. Est-ce que 15S se fait pirater ou est-ce que quelqu'un d'autre est connecté sur son compte? On sait pas. Tu te fais pirater? Non, non, non. Non, c'est juste que je suis rentrée dans la secte des bananes. Mais oui. Alors... What the fuck, Quinzel, t'es beaucoup trop méfiante et intelligente pour t'être fait piracher. Donc, coucou YouTube, très bonne vidéo. Bah, merci, Miss Coral. En fait, à la base, vraiment, le but de cette vidéo, c'était pas de encore me faire passer pour quelqu'un qui s'est piraté. C'est vraiment pour rigoler, vraiment, pour rigoler. Mais tu me crois si naïf, Quinzel, t'as perdu la boule. C'est trop the best, mais j'ai à manger, c'est la banane. La banane. Sacré m'a convaincue de rejoindre sa secte. Non, c'est pas vrai. En vrai, je suis vraiment dans la secte des citrons. 15F, c'est toi. Oui, oui, c'est moi. Oui, tout à fait. Pourquoi? C'est injuste. Mais pourquoi? Parce que... Bon, en vrai, je suis mieux payée par la banane que par le citron. Voilà, en vrai, c'est vrai que la banane, au niveau budgétaire et commercial, est un fruit qui est beaucoup plus acheté que le citron, il me semble. Parce qu'on achète plus souvent des bananes que des citrons, en vrai. Je pense. Moi, si je me trompe. Mais moi, j'ai toujours plus acheté de bananes que de citrons. Et alors, je suis une grosse vendue. Voilà. Là, en vrai, elle doit se demander, mais est-ce que c'est la Quinzel qui répond comme ça? What? Vraiment, c'est pour rigoler, hein. Vraiment pour rigoler, faut pas le prendre mal. T'es sûr? Attends. Je vais vérifier dans le miroir. Bon, j'espère que cette petite vidéo troll vous plaît quand même, que ça vous fait rigoler un petit peu. Bon, c'est un petit peu le but. Si vous n'avez pas rigolé en regardant cette vidéo, voire même pas un petit peu de fan ou quoi que ce soit, j'arrête YouTube, voilà. Non, je déconne, j'arrêterai pas les YouTube pour ça, mais j'espère que quand même ça vous aura plu un minimum. Et si vous voulez que de temps en temps j'efface une petite vidéo troll où je réponds en direct aux messages, je vous montre les messages en direct dans une tournure drôle, parce que c'est vrai que j'avais déjà essayé de faire des vidéos, je vous réponds sur MSP, mais bon, je dirais pas que c'est pas bien parce que c'est cool quand même, mais trois quarts des messages que je lisais quand je faisais des je réponds à vos messages sur MSP, c'était des je t'adore Quinzel, je suis abonné à ta chaîne Quinzel, comment ça va Quinzel, salut Quinzel, et trois quarts de la vidéo c'était ça en fait. Et du coup, ben, c'est pas ça me dérange pas d'y répondre, j'y réponds hors vidéo, mais je trouve que pour une vidéo
c'est pas forcément super intéressant pour vous de me voir de répondre toujours à la même chose. Alors que là, je réponds à vos messages en même temps dans une ambiance un peu plus détendue, un peu plus relax, un peu plus troll, un peu plus rigolo, mais toujours dans la convivialité, bien sûr, hein, sans insultes, s'il vous plaît, hein. Juste pour te dire que t'es la best, t'es la meilleure youtubeuse du monde entier, je t'adore. Oh merci, c'est gentil. Avec ton humour délirant, je sais que c'est toi. Bon, loin de là, le but n'était pas de me faire passer pour quelqu'un d'autre, hein, mais c'est vrai que, voilà, c'est pour rigoler. J'aime pas le citron, mais j'adore la banane, mais c'est pas une raison. Oh, c'est pas gentil. Bah oui, tens la imcintre. Ok, bah oui, ta chaîne, c'est la team citron. Ah, ouais, parce que là, j'ai eu du mal, je t'avouerai. Hein. Mais je crois pas que tu m'as enfin répondu avec la centaine de messages que je t'avais envoyé. Ça finit par payer. On va dire, on va être honnête. On va dire surtout le bon timing. Hein, parce qu'effectivement, des messages, on reçoit très souvent, tout le temps. Dès que je me connecte, je reçois plein de messages. Donc forcément, il y a souvent des personnes que je réponds qui ont soit de la chance, soit ils m'envoient tellement de messages qu'à force, je leur réponds, c'est normal. Mais effectivement, des fois, c'est vraiment plus une question de timing. Des fois, je me connecte, je regarde pas mes messages parce que soit j'ai pas le temps, soit je lag trop, soit je me connecte pour une autre raison. Ou des fois je me connecte, je réponds un petit peu, mais voilà, forcément il faut avoir le bon timing parce que il y a plein de personnes qui m'envoient des messages en même temps et du coup je peux pas voir tous les messages, c'est pas possible. Je reçois tellement de messages tous les jours que je peux pas répondre à tous les messages dans la même soirée, c'est impossible, total, mission impossible. J'attendais, je reste toujours pas que je te parle, mais non, faut pas, je pense que voilà, de toute manière. Il y a plus important que me parler dans la vie. Non, en vrai, des fois, je suis choquée. Il y a certaines personnes qui sont tellement contentes quand je leur réponds. Vous imaginez même pas. Et moi, je me dis, mais comment elle peut être contente juste en me parlant, en fait. Mais tu filmes ou pas? Yes, je filme. Alors, j'accepte aussi de leur vendre à une seule et unique condition. Que toute personne portant cette tenue de banane sacrée porte des cheveux de plusieurs couleurs. Plus de deux. Mais comme je ne suis point VIP, quel supplice je serais une future banane mou à cheveux, regarde mon que fais-tu. On va aller voir son que fais-tu. Et ici nous avons... Ah bah le citron, les bananes gouverneront. Ah nice. Ah donc du coup je suppose que d'après ces messages, le costume banane est un costume VIP. On est d'accord. Bon, on peut toujours. Bon, moi, j'arriverai pas à le faire à l'envoyer avec 15 parce que je lag tellement. En fait, c'est juste impossible. Mais éventuellement, on peut le faire. On peut offrir. Donc, si vous êtes VIP et que vous avez des amis non VIP, envoyez-leur des costumes banane VIP. Ça leur fera plaisir. Voilà. Bon, on va mettre un petit objet histoire qu'elle voit qu'on a quand même lu ses messages, pas qu'elle est du tout pour rien. Même si ce n'est pas pour rien, même si je l'aurais pas vu, mais vous mangez assez. Quoi avez-vous eu? What? Coucou Carenzel, comment allez-vous? Avez-vous bien dormi? Avez-vous bu de l'eau, je pense? Assez, il faut être en forme dans la vie. Ça fait 54 jours que j'ai pas bu. C'est pas bien. Tout à fait normal. Moi, je pensais que c'était la team citron, pas babane. Ah, sympa, babane. On est dans la team babane. On est team babane. Ça passe bien, le mot. On pourrait limite en faire une musique. Merci de m'avoir répondu. Oh, c'est trop chou. Bah, écoutez, on va clôturer là, la vidéo, avant que je commence à m'embrouiller dans les mots. Je parle trop, je crois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite fortement à me dire en commentaire sous la vidéo si cette vidéo vous a plu, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous voulez un petit peu plus de vidéos comme celle-ci où je réponds en direct, en vidéo, souvent avec un petit thème troll après avoir lancé un que fais-tu chelou. Voilà, et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu également. Ah. Et je vous laisse, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao. Gros bisous à vous.
You know I want.